Nous sommes dans l'atelier de Robert Doisneau, où tant d'images latentes sont devenues, grâce à son talent, j'irais jusqu'à dire à son génie, des images, symboles même de la photographie. Robert, je voudrais te poser quelques questions, te demander comment, de Gentilly, où tu es né, à deux pas d'ici, à l'école Estienne Renault jusqu'à l'agence Raffaut, tu as fait un parcours que je trouve, pour ma part, exceptionnel. Écoute, c'est rigolo ce que tu dis, parce qu'il n'y a pas de génie, il y a une patience de pêcheur à la ligne. Et puis, deuxièmement, le privilège de ce métier a été justement de rencontrer des gens de profession, de moyens d'expression extrêmement différents. Ça, c'est épatant. Maintenant, pour redémarrer depuis Gentilly jusqu'à l'agence Raffaut, où je suis devenu maintenant le plus vieux meuble, et très légèrement vermoulu, y a quelque chose qui m'a toujours animé, c'est la désobéissance. Ça, c'est formidable. Désobéir, plus après la patience. La désobéissance, c'était ce qui a amené à la photographie, à un moyen d'expression différent de ce qu'on m'infligeait quand j'étais à l'école Estienne. On me faisait dessiner des plâtres, suivez-moi bien, des plâtres représentant des gens qui n'ont aucun intérêt, les empereurs romains. Tu dessines un plâtre qui est une chose blanche et friable avec du charbon de bois, le fusain. Oui. Ça me semblait complètement absurde. Et les lumières étaient des lumières qui étaient toujours les mêmes, c'est-à-dire des lumières sous vélum, des lumières convenues, académiques. Et alors, quand tu sors avec des yeux de 17 ans dans la rue, et tu vois la lumière qui est faite de reflets, de mobilité, et également une lumière qui désobéit aux lois académiques, alors là, tu cherches le moyen de les fixer. Mais je crois, tu vois, ce qui a fait ton succès, je veux pas dire ton génie, c'est ton regard. Je crois que tu as un regard privilégié sur le monde, et ce regard assez exceptionnel t'a permis de le fixer. C'est ça qui est étonnant. Je ne peux pas écrire de façon abstraite. Voilà, quand j'écris une phrase, je m'adresse à quelqu'un qui est un ami, ou plusieurs amis, comme ça. Il faut que ça devienne une image. Il faut que je trouve un raccourci qui soit une image. J'écris difficilement, peut-être. Non. Je sais pas. Non. C'est peut-être douloureux d'écrire. C'est douloureux d'écrire, ouais, mais ouais. Tu n'écris pas difficilement. Enfin. Ou en tout cas, tu ne donnes pas cette impression. Ouais. Mais tu as été l'élève, quand même, justement, de l'école Estienne, dont on fêtait cette année le centenaire. Hein. Et cette école Estienne t'a appris la gravure, je crois. Hein. Voilà. Mais justement, alors là, j'en veux beaucoup à cette école. Je suis vraiment le très mauvais ancien de l'Estienne. Oui, oui, oui. La chose que j'ai apprise vraiment à l'Estienne, c'était la patience. La technique de la gravure lithographique qu'on m'apprenait était depuis belle lurette, n'existait plus à l'extérieur de l'école. Ce métier était maintenu à l'intérieur de l'école pour arriver à assurer la retraite du professeur de gravure. Et alors, on prenait le poignet du gamin tout frétillant et on les obligeait à cette discipline monacale de la gravure, c'est-à-dire de mettre dans quelques centimètres carrés des vignes, les médailles obtenues à l'exposition universelle, un chai avec un haquet, des tonneaux, portrait du patron, etc. Mais c'était formidable d'obtenir des gosses qui fassent ce genre de trucs très, très démodés, hors de la technique. Et tu es alors, t'es dégoûté que tu es revenu à la photo? Ah ben bien entendu. Oh non, d'abord, une chose, en sortant de 4 ans d'études, 4 ans des siennes, il fallait gagner sa vie. Oui. La seule chose que je savais faire à l'époque, c'était dessiner des lettres sur papier. Le système du papier de la lettre décalquée n'existait pas encore. Donc j'ai trouvé un moyen d'être intégré dans l'imprimerie en dessinant des lettres avec un pinceau d'homme de Chine. Ça, c'est bien.
puis après, dans la même maison d'édition publicitaire où j'étais rentré pour dessiner ces fameuses lettres, s'est monté un atelier de photos très bricolé, parce que la photo commençait à dévorer le gâteau publicitaire un peu. Et je suis formé à la composition photographique avec des objets, des produits pharmaceutiques, parce que la maison où j'étais était spécialisée en publicité pharmaceutique. Donc pour m'exprimer, pour trouver le nombre d'or, j'avais à ma disposition des ampoules et des suppositoires. Tu vois, on se retrouve dans la pharmacie. Oui, je me retrouve. C'est moi qui me retrouve. Mais oui. Alors on était fait pour se rencontrer. Et voilà. N'est-ce pas, c'est sûr. Oui. Et alors le suppositoire, j'avais trouvé les grandes lois qui avaient créé le Parthénon, par exemple, qui ont toute simplicité. À partir du suppositoire. Voilà. Oui, c'est extrêmement intéressant. Mais alors, tu vas voir, après tu pars chez Renault. Hein. Alors après, à nouveau, oui, voilà. Toujours pour gagner ma vie, je deviens photographe industriel chez Renault. Et alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire que je veux signaler. C'est, par exemple, lorsqu'on te demande de photographier, non pas la voiture, mais le confort, en mettant une construction en bois et en mettant 5 ou 6 personnes, je crois. Hein. Oui. Par exemple, moi... qui suis logicien ou, si tu veux, scientifique de formation, je vais faire la photo comme on me l'a dit, c'est-à-dire les 7 têtes ou les 7 corps, et toi, ton regard te permet de voir ce qu'il y a d'étonnant, c'est-à-dire tout ce châssis en bois. Ça, c'est une photo étonnante. Tu vois, ça prouve que tu as un regard qui n'est pas le nôtre. Oh, j'en sais rien. Non, mais écoute, il y a une chose qui arrive souvent, c'est que ici, dans cette maison, comme je suis un diplomatus de la photo, les jeunes viennent voir le préhistoire. Alors ils viennent ici avec leurs ambitions, leurs espoirs et leur côté non pratique, parce qu'ils ont fait des stages, ils sont allés à des séminaires, et puis ils reviennent gonflés en disant « Voilà, nous allons faire de la photographie signifiante, etc. » Bon, ben, c'est très bien. Mais je freine toujours en disant il faut faire quelque chose qui soit alimentaire. Et ça, j'ai l'air de vraiment de rabaisser leurs ambitions. Et ça m'ennuie de tenir ce langage qui est le langage de quelqu'un de raisonnable, alors que moi qui ne suis absolument pas raisonnable. Mais je sais que pour tenir le coup, il faut accepter de faire ce travail terre à terre et pas drôle, que je continue à faire de temps en temps, travailler sur commande. Je suis resté 5 ans à photographier, je sais, des ateliers, des choses comme ça. Mais le dimanche, j'allais faire des photographies pour toi. Ma joie, oui. Et je cherchais le moyen de sortir de cette sacrée usine pour faire des images qui me semblait... On peut te demander quel appareil tu avais à cette époque. Chez Renault, on avait des appareils en bois qui pesaient affreusement lourds, avec des châssis. Ah, c'était des appareils en bois. Ah oui, on avait des chambres en bois, des plaques en verre à l'intérieur des châssis. Ça pesait très lourd, ça pesait une 20aine de kilos, le matériel que je transportais, un pied en fonte. Enfin, il y avait vraiment des métaux qui n'étaient pas tellement précieux, très pesants, très solides. Oui. Et alors, le dimanche, j'ai travaillé quand même avec un Rolleiflex, qui était une trouvaille. Que les fameux photographes de l'école de Paris étaient tous des Hongrois, enfin, Kertész, Brassai, Ergilando, Nora Dumas. C'était des gens qui travaillaient au Rolleiflex. Et alors donc, j'avais acquis un Rolleiflex avec des combines absolument peu avouables maintenant, mais j'avais quand même un Rolleiflex que j'allais trimballer dans les endroits qui étaient peu fréquentés par mes confrères officiellement reporters. Parce que les reporters de presse travaillaient en groupe. C'est vraiment un troupeau qui travaillait. Non, c'est vrai, ils fabriquaient les uns derrière les autres, ils faisaient l'événement. L'événement à l'époque, qui me frappait beaucoup, c'est de voir dans l'illustration, arriver du président de la République à la gare du Nord qui serre la main du mécanicien. Et le jour où il faisait ça, il y avait 10 photographes qui, plouf, partaient sur le même coup de magnésium en disant « Tu es prêt ?» Oui, 1, 2, 3, boum ! C'était l'information. Ah oui, quelle rigolade.
Et alors, et là, Sérafo, alors là, tu es libre, là, donc. Alors, Sérafo, donc, j'ai vu des exemples tout à fait remarquables, enfin, de gens qui faisaient la photographie sauvage. Et très belle, enfin, les compositions de Kertész ou de Brassailles, c'était extraordinaire, déjà. Alors, bon, j'ai eu que des ennuis, enfin, au moment où je me fais mettre à la porte de chez Renaud, enfin, pour pas tard répéter, me voilà libre de travailler, de faire des photos pour moi, et la guerre. Donc, là, freinage à nouveau. Hein. Ouais, il a fallu attendre la fin de ces 4 années, l'occupation, tout ça, pour retrouver quelqu'un de tout à fait remarquable, parce que le fondateur de l'Afro était parti en Amérique, Charles Radeau était parti en Amérique, et je trouve Grosset qui vient et qui me dit je veux remonter l'agence Afro à Paris avec l'accord de Charles Radeau. Il avait lui fait une guerre héroïque. C'est vraiment une guerre héroïque, parce que moi j'ai fait la guerre d'un quelqu'un de vaincu. Lui, il a fait une guerre héroïque, il avait été en Afrique, il avait fait le débarquement d'Italie, il avait fait le débarquement en France. C'est vraiment quelqu'un de remarquable, et c'est toujours un ami remarquable. Il arrive, et quand, puisqu'il était héroïque, il prend la résolution héroïque de remonter l'agence Rafo. Qui avait été l'ami, déjà, de beaucoup d'hommes célèbres qui sont... des gens, je parle de Maurice Baquet, je parle des Prévert, je parle de Sandrard, je parle de tous ces gens qui ont été et qui ont été pour toi des compagnons de route, hein. Et qui continuent quoi, un garçon comme Maurice Baquet, par exemple, c'est mon pote, c'est mon grand copain, et en même temps c'est mon professeur de bonheur, parce que la musique le porte à une espèce de côté radieux, merveilleux. Et les autres, et Prévert, et Sandra, ça ce sont mes fantômes familiers, ce qui fait que je continue à communiquer avec eux, et ça amène à ce phénomène que je parle tout seul dans la rue. Alors les gens se retournent, ils pensent que je parle, je gratifie complètement, peut-être, mais je correspond toujours avec eux. Ils m'ont donné un espèce d'élan, enfin, quand je relis quelques lignes de Sandrard, quand je lis une phrase de Prévert, quand il dit par exemple, jouant avec les mots comme moi j'essaie de jouer avec les décors les urbains, mains. Quand il dit, il parle des jeunes filles sortant des ateliers de culture qui ont le velours potelé de leur visage, le sourire, le manteau de fou rire, quelle trouvaille formidable. Avec des mots tous les jours, il amenait vraiment une poésie qui était pas alambiquée, pas compliquée. C'était des mots qui servaient à tout le monde, et les gens ne se rendaient pas compte de la beauté que ces mots pouvaient prendre. Si, quand même, maintenant. Peut-être maintenant, parce qu'il a ouvert. Oui. Grand Sandrard, dans le fond, quand j'ai fait connaissance avec lui, on m'avait envoyé faire des photos de lui quand il a recommencé à écrire. Il avait écrit L'homme foudroyé, oui. Et Maximilien Vox m'envoie à Aix-en-Provence le photographier. Quelle année ? 47. 47. Oui, il y a la, comment dirais-je, la dédicace qui m'est mise sur ce premier exemplaire de L'homme foudroyé pour Douaneau, photographe Brosseron, Zournier, tout son truc. Vraiment une dédicace à faire crever de jalousie les bibliophiles. Bien sûr, oui, bien sûr. Et alors, c'est une profusion, il savait mille choses extraordinaires. Sur le, je sais pas quoi, sur la vie des gitans, sur la médecine, sur les plantes. C'était une... Son œuvre est une somme, c'est vrai. Fantastique, hein. Fantastique. Il était forcé de remettre des notes en marge tout le temps, tellement... Il y avait une richesse secrétée. Et Léoto, tu l'as connu aussi. Alors Léoto, c'était différent. J'ai connu moins intimement, mais il était, il me plaisait bien. Oui, ça sans aucun doute, c'était un Il me plaisait bien. Je travaillais en action régulière pour une revue qui paraissait 2 fois par an, qui s'appelait Le Point. Ah. Et Le Point était imprimé à Mulhouse. La rédaction, si on peut dire, qui se composait d'un seul et même homme, Pierre Bette, c'était à Souillac. Il écrivait à la main les bandes pour les abonnés, et il m'écrivait en disant « Ah, je prépare un numéro sur Léoto, ça fait
15 lettres que je lui envoie, je n'ai pas de réponse. Je sais qu'il demeure près de vous, Fontenay-aux-Roses, de Montrouge, c'est pas très loin. Allez donc voir Léoto et pour lui demander pourquoi il ne me répond pas. Alors j'avais été à Fontenay-aux-Roses. La maison était délabrée, le jardin était en friche, il y avait une grille qui était ouverte. J'arrive jusqu'à cette maison. J'appelle, monsieur Léoto. Léoto. La fenêtre s'ouvre au premier étage, les volets se cassent un peu la gueule, comme ça. Et Léoto apparaît. Il me dit, quoi, qu'est-ce que c'est? Ils sont pas commodes du tout, hein. Il dit, je viens vous voir de la part. J'entends rien, etc. Montez. Bon, il y avait l'escalier, je sentais la piste de chat, et je monte au premier étage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne comprends rien. Alors je lui explique calmement la mission qui m'était confiée. Il me dit, des lettres. Et alors près de la cheminée, il y avait un paquet de lettres qui n'étaient pas ouvertes. Vous connaissez son écriture? Oui, bien sûr, Pierre Betz avait une écriture très filiforme, comme ça. Alors je trouve deux, trois enveloppes, il les ouvre, il me dit, lisez-moi, qu'est-ce que vous avez? Alors j'ai Pierre Betz, il demandait, il insistait, voilà, est-ce que je vous prépare un numéro spécial sur vous? Alors il me dit, personne ne me lit. J'avais lu les chroniques de Maurice Boissard. Et alors là, Léoto me dit, chronique de Maurice Boissard? Et voilà que les photographes me lisent maintenant. Il me dit, et puis quel âge avez-vous? J'avais 40 ans à l'époque. Je lui ai dit, vous avez 40 ans, vous êtes maigre, alors mon ami, vous êtes tuberculeux. Premier contact. Je n'osais pas faire de photos de lui parce que, dans le fond, je ne savais pas qu'il était très coquet et très cabot, dans le fond. Oui. Il aimait bien qu'on fasse des images de lui, mais je n'osais pas. Alors, on avait une espèce de pacte. Je venais, à chaque fois que je venais chez lui, je faisais une photo, pas deux, une seule. Et il m'a dit, et vous êtes venu comment? J'ai une voiture. Ah, vous avez une automobile, vous êtes comme tous ces imbéciles qui prennent l'apéritif, peut-être c'est qu'une automobile. Non, non, monsieur Léoto, je ne prends pas l'apéritif, mais je roule en automobile. Ah bon. Alors, vous voyez peut-être m'emmener au théâtre un jour. Mais, avec joie. Mais je n'ai pas de chaussures à mettre en ce moment. Alors je dis, écoutez, j'ai des mocassins, peut-être ça vous irait. Alors j'enlève mes mocassins, je lui passe, il en enfile un, il me dit, ce sont des chaussures de troupier que vous m'offrez là. Il avait un commerce. C'était merveilleux, merveilleux. Il recevait mal et j'étais ravi. Alors Picasso, mais ça a été le meilleur modèle que j'ai eu. Je ne l'ai pas connu intimement comme a pu le connaître Brassailles, qui lui était un familier de l'atelier de la rue des Grands Augustins. Et Brassailles a écrit un très très bon bouquin qui est à propos avec Picasso. C'est excellent. Entretien avec Picasso, pardon. Excellent. Moi, je m'envoie, Pierre Betz m'envoie à Valoris, je vais à Valoris. Je trouve Picasso après bien des hésitations, bien du mal, parce que sa maison était fermée. Et puis je le trouve dans la cuisine en train de déjeuner avec François Gillot. Très impressionnant d'avoir devant soi le symbole de la peinture. Et il m'a lancé un premier message formidable, il m'a dit, voulez-vous un verre de bière? Et alors bon, j'ai dit, un verre de matin. Et il mangeait très frugalement, comme ça. Sur un coin de table. Pas sur un coin de table. Non, il était vraiment assis l'un face à l'autre, comme ça. Et il y avait des pains sur la table avec des doigts. Alors il m'explique que ces pains avaient été faits par le boulanger de Valoris et n'avaient que quatre doigts. Il me dit justement, oui, à quatre doigts, c'est juste. Aussi les a-t-il appelés des Picasso. Alors, dans un moment de culot, je ne sais pas, parce que quand on est très timide, comme ça, on a ces bouffées de culot. J'ai pris les deux pains, je les ai mis de chaque côté de l'assiette, et Picasso, immédiatement, a joué le jeu. Il a fait le raccord avec le... Je connais la photo. Vous connaissez la photo? Ah oui, elle est belle. Ben oui. Et alors là, j'ai compris que Picasso fallait lui fournir n'importe quel objet. Il en faisait... il faisait une espèce de petit sketch avec cet objet. Il ramassait une fleur dans le jardin, une... Ces insectes qui se bouffent, la mâle, oui, la femelle bouffe le mâle, une menthe religieuse, il se mettait sur le doigt. Immédiatement, c'était élégant, une occupation de l'espace comme peut le faire un danseur. Absolument. Ah, c'est un modèle fabuleux. Je suis resté deux jours avec lui. Et curieusement, tous les gens qui approchaient Picasso, les gens de mon espèce, les forains qui arrivent, qui passent,
repartait de chez lui couvert d'une petite poussière d'or qui négociait à l'extérieur. Ces photons étaient très très utilisées par la suite. Dans le point d'abord, puis ensuite il y en a eu un peu partout. En deux jours, j'ai fait 7 ou 8 ou 10 photos qui étaient amusantes à faire dans sa cave avec les pots. Dans la cuisine. Et Fernand Léger, tu l'as connu très bien. Fernand Léger, j'ai connu un peu. Il était, son école était à côté de chez moi, à 2 maisons d'ici. Alors, oui, Fernand Léger. En réalité, c'est déjà quand j'étais chez Renault, j'avais rencontré un garçon qui voulait quitter Renault. Mais lui pensait que la porte de sortie, la porte de secours, l'issue de secours était la peinture. Alors il prenait des cours à l'Académie Fernand Léger. Et c'est étrange parce que l'Académie Fernand Léger, il imagine 20 jeunes qui, tous sous la férule de Nadia, faisaient des sous légers. Et de Bocquier. Et Bocquier était aussi un... Le massier, hein. Un massier, c'est ça. C'était le massier de... Voilà. Et Bocquier, pendant l'occupation, Bocquier m'avait dit, tu sais, je crois que j'ai l'impression d'être suivi. Alors j'ai là, dans l'atelier de mes appartements d'ici, j'ai là des toiles de Fernand Léger. Et je ne voudrais pas que, si je suis pris, les Allemands prennent mes toiles. Alors cet appartement, tu vas le mettre à ton nom. Ce qui fait que j'ai été propriétaire de la 30, 40 ateliers. Je n'ai jamais su exactement ta richesse. Oui. Mais malheureusement, après la guerre, il n'est... Ils n'ont pas donné. Oui. Ça m'aurait arrangé. Ça t'aurait arrangé, bien sûr. Oui, oui, oui. Non, mais c'était un homme charmant. Oui, oui. Il avait l'air bougon, bourru, et c'était un monsieur très, très, très arrangeant, très charmant. Tu en as connu énormément, forcément. Grand-mère, par exemple. Brancusi. Brancusi. Ah oui, celui-là, il n'était pas commode. Hein. Oui, ça, c'était un passeron sain. Un passeron sain. Que je vous dirai. On me demande de faire un truc sur le Brancusi que je ne connais pas. Oui. Comment se faire pistonner pour approcher cet homme que je ne connaissais pas? Alors j'avais une amie que j'avais connue pendant l'occupation, qui était une héroïne, on peut dire, oui, c'est ça. Elle était la femme de Pontremoli. Elle était charmante, gentille. Et alors elle était roumaine. Alors elle m'avait dit, quand je suis venu à Paris avec ma sœur Martha, c'est lui qui était un ami de mon père qui nous a accueillis. Alors je ne vais jamais le voir, mais il serait certainement content de me revoir. Alors elle m'a emmené sous son bras voir Brancusi, qui a été tellement ému de retrouver Olga. Et il m'a parlé lentement, longuement, il s'est allé sur ses souvenirs. Ça. Et je ne sais pas comment aborder l'histoire des photos. Et c'est Olga qui s'en est chargée de ça. C'était la mission impossible. Et dès qu'il était question de photos, il est devenu furieux. En disant, mais voilà, c'est pour ça que tu es venu me voir. Et tu avais amené avec moi ce monsieur qui a des yeux qui veulent... Des yeux d'assassin, il avait dit. Il avait des yeux, pour lui, des yeux d'assassin. Et tu as pu faire quand même des photos. J'ai rien pu faire. Je suis retourné une autre fois le voir, il était dans les mêmes dispositions d'esprit, et il était voisin avec Tinguely, et Tinguely que j'aimais bien. Ah, Tinguely, oui, oui. Ouais, ouais, c'est lui qui a fait d'ailleurs la photo qui est sur ton livre. Voilà. Hein. Tinguely était quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a tourné en dérision cette mécanique qui est la reine de notre époque. Je trouve que c'est le rôle absolument de l'artiste. Hein. L'artiste qui est toujours le bouffon de la société aussi, le bouffon dans le bon sens, critique, hein, c'est ça, qui ose dire des vérités que personne n'ose dire au roi. Et puis alors, il y a eu la rencontre avec Utrillo, que je raconte dans mon petit bouquin, parce que ça, Utrillo était un otage, oui. Un otage de sa femme, un otage de Petrides, et on faisait chez le Burnou, et il se... Cabret, il ne voulait absolument pas peindre. Oui, n'importe quoi. Hein. Alors on lui faisait miroiter l'arrivée d'un verre de vin rouge pour qu'il fasse une demi-heure d'exercice avec son pinceau. Et puis, j'osais pas par pudeur. Bien entendu, si j'avais été un reporter qui force les portes,
Oui. J'aurais pu faire des choses, me faire marcher sur les mains. Mais non, ça c'est pas le type. Non. Des ça t'intéresse jeux. Pas, parce que non. À ce moment-là, le modèle n'est plus le modèle. Mais il suffit de reprendre les images, par exemple, du noyer de Gonzague aussi. Du noyer de Gonzague. Ah oui, c'est un homme tout à fait agréable. C'était un homme tout à fait charmant. Charmant. Ah oui, oui, oui. Et qui alors lui faisait une peinture qui était différente de celle, bien sûr, de ceux dont nous venons de parler, dans la mesure où lui était, il se rappelait peut-être de la tradition. Hein. Voilà. Curieusement, il y a aussi une catégorie de peintres qui viennent spontanément, ouais. Ils m'écrivent, et ce sont les peintres bruts, oui, de l'art brut. Oui. Pas les naïfs, hein, vraiment l'art brut. Hein, T'as été l'ami de Chessac. Chessac, par exemple, parce que ça marchait très bien. Et puis alors un autre garçon qui s'appelle Sansfourche. Sansfourche m'avait écrit une fois de Limoges, il m'avait écrit en disant « Je fais des montages photographiques, il doit vous rester des photos que vous n'utilisez pas. Est-ce que vous voulez m'envoyer des photos que je découperai ?» Et là, en effet, j'ai des... Il y a des épreuves qui sont un peu écornées, ou bien qui n'ont pas la... une très bonne qualité. Alors j'avais fait un grand paquet à Sansfourche, à Limoges, je l'ai envoyé. Et en échange, Sansfourche m'envoie des os qui prélèvent dans des ossuaires, ou des, des os, des morceaux de tibia, qui peint, il met des yeux dessus. Écoute, ici j'ai un classeur, avec tout est classé en ce qu'on appelle les contacts. Oui, oui, les épreuves numérotées. Ah oui, c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux, merveilleux. Faut pas fichelonner dedans. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas à leur numéro. Parce que, mais non, mais ça te donne un sentiment de nostalgie. Ah oui. Et de tristesse. Ah oui, c'est le passé. Il oui. Y a un truc qui est complètement fou dans ma démarche, la démarche de tous les photographes. En plus, moi, j'en étais conscient. C'est le jeu consiste à arrêter le temps. Oui, c'est vrai. Entreprise complètement folle. Folle, oui, 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 folle. Parce que le temps se laisse faire comme ça apparemment, et puis te remets le grappin dessus. Et tu te trouves dans le troisième, quatrième âge, je ne sais pas comment on dit maintenant, oui. Arrivé là par inadvertance, et tu es prisonnier du temps. Et quand tu regardes les portraits de tous ces gens, ces fantômes disparus, tu fais ton apprentissage de futur fantôme. Eh oui. Ah oui. Bon, oh là, pauvre de moi. Et dis donc, et si tu as parlé, on parlait de ton ami qui a écrit Le Vin des Rues. Oh. C'est mon ami Giraud. Giraud, oui, ça c'est un personnage qui n'est pas assez connu. Alors Giraud, c'est mon frère de la nuit. Parce que moi, je ne connaissais pas la nuit à Paris, puisque, bon, je travaillais un métier qui me fatiguait. C'est un... Deux ans après la libération de Paris, j'ai rencontré Giraud en faisant des photographies chez Romy, la vitrine, les gens qui regardent un livre. Oui. Et on est devenus très copains. Et Giraud m'a dit, mais tu connais Léal ? Oui, comme tous les Parisiens, vaguement. Enfin, vaguement, oui, Baltard. Ah ben, si tu veux aller voir Léal, moi je peux t'emmener. Et on a pris rendez-vous, et j'ai pas été une fois, ouais, j'étais 30 fois avec Giraud. Il connaissait tout le monde. Plus précisément, le monde des bistrots. Ah oui. Ah oui, il connaissait très très bien les... Il avait, je pense, il devait avoir le Durillon du comptoir. Oui, le truc comme ça. Oui. Et alors, il buvait très lentement. Il faisait durer un verre. Et moi, je travaillais aussi très lentement. Mais je pense qu'il fallait avoir encore plus de patience que moi pour rester des heures et des heures d'attendre dans un bistrot, on ne savait quoi. L'attente du miracle. Et le miracle, je sais ce que c'est, au coin d'une rue, j'attends, et les gens me disent, qu'est-ce qu'il y a de l'été ? Je ne sais pas. Et vous restez là ? Oui. Deux heures ? Oui. Ah, alors, ils s'en vont, ils se disent, ou alors c'est un flic en civil, quoique je n'ai pas tellement le profil, oui. Ou bien alors c'est un dingue, ce qui est peut-être un peu vrai. Mais je n'ai pas forcément tort tout le temps. Non. Et lui n'avait pas tort d'attendre. Absolument. Il y avait un naufragé de la nuit qui arrivait, à 2h du matin, les gens parlent. Oui. Ils ont besoin de trouver une complicité, un confident. Et alors, ils racontent des histoires époustouflantes. Et ce qui m'a ennuyé dans la photo, c'est que souvent, il faut... On dit le contexte, hein, tu vois.
c'est assez savant. Mais si j'avais pu enregistrer certaines conversations à ce moment-là avec un magnéto, mais on n'en avait pas. Oui, je ne sais pas. Et moi, je n'enregistrais pas. Mais lui a enregistré dans sa mémoire des propos de bistrot, des rencontres étranges. Et il est sorti le vin des rues. Et puis alors maintenant, il y a de nouveaux amis qui sont venus. Cavana, par exemple, que j'aime beaucoup, qui est un garçon formé au sirop de la rue. Qui, c'est vraiment quelqu'un qui est très fertile. Et il a publié quoi, Cavana? Oh, plein de choses. Il a publié les Ruskoff, les Rital. Ah oui, les Rital, c'est vrai, oui. C'est, oui. Très sensible. Oui. C'est un merveilleux banlieusard aussi, un petit enfant des terrains vagues. Oui. Et c'est là que je retrouve aussi quelqu'un qui est, qui est allé à la même université que moi. C'est-à-dire que, dans le fond, ton regard, qui est étonnant pour la photographie, te permet de distinguer aussi les marginaux, les êtres originaux, ceux qui sont en dehors du troupeau, quoi, c'est sûr, ou de la tribu. 1930, c'est une époque où le photographe est pas méprisé, mais enfin, c'est pas grand-chose, le photographe. Méprisé, hein. Oui, bien sûr. Ah oui, hein. Quand André Vigneault, qui était au départ un sculpteur... André Vigneault était au départ un sculpteur. Un sculpteur, et un très bon sculpteur. Ah, oui. Quand il a... comme lui, il voulait rompre... Mais c'est bien que je sois tombé sur lui comme premier patron. Quand il a voulu rompre avec les moyens d'expression reconnus qu'il a utilisé la photographie, ses amis peintres pensaient qu'il était tombé fou. Oui. Ouais. Alors, des premières photos, je me souviens, il y avait un peintre qui lui avait dit, je dirai pas son nom, il lui a dit, oh, tu as un bel appareil. Oui, évidemment, ouais. Évidemment, ouais. Et il avait la science de la lumière qui était venue de son... Son métier sculpteur, bien sûr. Il a fait des sculptures du musée du Louvre, puis après des sculptures du musée du Caire. Mais c'est splendide, ça. Les gosses des... Maintenant, il y a beaucoup d'ateliers photo, il y a beaucoup d'écoles de photo. Oui, c'est vrai. On leur montrait les choses éclairées par André Vigneault, mais c'est une leçon... fabuleuse, extraordinaire, oui. Ils ont tout compris, ils regardent attentivement. Et oui. Mais non, il est passé dans l'oubli. Et tu vois, la première photo, rompant complètement avec la tradition rapin de la photographie, où il fallait des ciels noirs, des cumulus, des souffleurs dans le ciel pour que ça soit digne d'être photographié, la première photo qui m'a frappé, qui continuait à monter, c'était une route mouillée. Une route mouillée, donc faite par un mauvais temps, alors que les photographes ne sortaient que par beau temps. Le mauvais temps, des arbres sans feuilles, et le reflet de ces arbres dans la route en asphalte à l'époque, c'était de goudron, qui était comme un miroir. Un miroir. Oh, c'était beau, c'était. Elle est toujours là. Ah oui, oh, c'est vrai, hein. Oui, mais c'est la veine de tomber sur cette tombe. Oui, mais là, 1930, c'est une mauvaise époque, c'est l'époque où tu es Chernot, toi, non? Non, c'est avant. Non, j'étais chez Vigneault d'abord. Chez Vigneault, je suis venu en 30-31. Oui, oui, oui. Alors et là, Renaud, vous étiez 34. Quand même plus ou moins accepté, non? Ah non. Pas davantage, hein, non. Non. Et vous gagnez votre vie très pauvrement, alors. Oui, c'était plutôt médiocre. Ah oui, bien sûr, puisqu'il n'y avait pas. Est-ce qu'il y avait une agence? Non. La première... Non, il y avait des agences de presse, certainement, mais je ne connaissais pas du tout ça. Il devait y avoir des trucs comme Keystone. Oui, Keystone. Oui, c'était des agences d'événements. Enfin, le fameux président de la République qui sert la main du chauffeur de locomotive. Oui, c'était ça. C'était les marches de l'Élysée, c'était les chrysanthèmes avec encore un président en gibus. Oui, ça, c'était ça. Alors, le premier, ça a été Charles Radeau, avec son agence Raffo. Et oui, ça, c'est important à dire. C'est très important. C'est important à dire, parce que, dans le fond, on a l'impression, je ne me rappelle pas quelle est l'agence qui prétend être le summum des agences, alors que, dans le fond, c'est l'agence Raffo, puisque c'est un début. Maintenant, il y a Sigma, qui est une agence énorme, Gamma. Oui, Gamma, oui, mais c'est après, ça, ils sont venus après. Ah, bien après. Bien après. Bien après. Donc, c'est... c'est l'agence Raffo qui... Mais l'agence Raffo, tu sais, le matériel, c'était des boîtes en carton, sur une planche. Et ce petit bonhomme de Charles Radeau, qui était très, très, très
méthodique et qui réfléchissait. Et c'est un monsieur qui, le dimanche, pour se reposer l'esprit, faisait des mathématiques spéciales, tu comprends. C'était vraiment le seigneur hongrois. C'est un hongrois? Ah oui, oui, mais tout le monde était hongrois dans la photo. Ils ont été bien gentils de m'accepter. Toi, ils n'étaient pas racistes. Est-ce qu'on peut être photographe indépendant? On peut être photographe indépendant. Il faut avoir pour ça un sens commercial terrible, hein? Non seulement commercial, mais de valoriser soi-même son boulot. Et ça, tu peux pas dire, enfin, moi, je ne pourrais pas dire, oh, regardez, monsieur, comme je suis génial, c'est formidable, oui, ce que j'aime faire. Oui. Il y en a qui arrivent à le faire. Qui arrivent à ça, oui. Mais c'est amusant, c'est intéressant, mais c'est pas mon truc. D'accumuler une quantité d'images et compter sur le hasard pour qu'elle t'apporte l'image merveilleuse que tu n'as pas choisie, que la caméra a choisie pour toi, est très, le résultat est très décevant. Une image n'est émouvante que si elle a d'abord traversé le bonhomme qui choisit. Dans tu ne crois donc pas à l'intervention du hasard dans l'image, non? Le hasard, je m'en sers. Le hasard, c'est pour moi l'attente de l'apparition du miracle. C'est là que le hasard me sert. Mais le hasard, amenant dans une quantité d'images, celle qui va transmettre l'émotion d'un moment, non. L'expérience a montré que ça ne marche pas. Pour toi, le hasard doit être maîtrisé. C'est ce que c'est ce qui t'intéresse, hein. Maîtriser, ça me donne l'impression d'être un peu le chef. En réalité, je ne suis pas le chef. Je choisis. Les propositions du hasard sont là. J'en accepte une. Parce qu'elle correspond à un tas de choses qui est intérieure, qui est une espèce d'harmonie correspondant à ce que je crois être le beau, le bien, l'émouvant, le merveilleux. Et là, je choisis. Je prends, j'essaie d'arrêter. Quelquefois, ça ne marche pas, parce que je suis pour bien malin, que le hasard m'a souvent pris à contre-pied. Fatigue, relâchement d'attention, puis des éléments qui viennent de tout brouiller. Et bien sûr, maintenant, si je te pose une question sur les hologrammes, nous basculons, nous passons dans le domaine scientifique, non? Voilà, c'est le domaine scientifique qui n'est pas le mien. L'hologramme est un procédé qui m'a toujours étonné. Je ne sais pas très bien comment on s'y prend. Mais tout ce que j'ai vu jusqu'ici n'était que documentaire. Ne relevant jamais d'une harmonie ou d'une impression dite artistique pour simplifier les choses, ce n'était que documentaire. Une tracée de voiture, vu de face, de dos, de trois quarts, de profil, bravo, très bien, ça marche, ça marche. Mais en dehors du phénomène de foire, on a dit ça du cinéma aussi, que c'était juste bon pour les fêtes foraines. Peut-être je me trompe, peut-être que ça dépasse mes limites d'entendement, c'est bien possible. Tu n'as pas fait des hologrammes, mais lorsque tu avais photographié pour les musées d'art et traditions populaires les peaux d'un célèbre potier de la Sarthe, tu avais bien inventé un appareil, c'était bien une sorte. C'est-à-dire que tu avais mis sur une bande toute l'image du pot, hein, du barnier. C'était une démarche qui était logique, simple, mais simple, simpliste. Hein. Tu as un pot en main, tout autour du pot, il y a un bas-relief représentant
les différentes phases d'un métier. Tu as le pot dans les mains, à condition que le conservateur veuille bien te confier cet objet précieux, tu le tournes et tu vois un charcutier en train d'abattre un cochon, de le couper en côtelettes, etc. Bon. L'idée, c'était de mettre sur un rectangle allongé le déroulement d'un cylindre. C'était simple. C'est simple comme idée. La réalisation était plus difficile. Oui. Il fallait que le pot tourne, que dans l'appareil il y ait une fente, et que le film se déplace d'une façon synchronisée avec le déplacement du pot. Donc il y avait donc ce déroulement, ce rectangle allongé, montrant la totalité du diamètre du pot. Je te pose une question. Donc l'appareil était toujours ouvert. Voilà. Et c'est lorsque le pot passait devant la fente qu'il impressionnait la pellicule. Voilà, c'est le principe du rouleau à beurre qui impressionne par une ligne une surface en se déplaçant. Et voilà. Alors, j'avais réinventé le rouleau à beurre, vois-tu. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. C'était difficile à faire. Quelle est ton opinion sur les images de synthèse? Pour le moment, j'ai la réaction de l'ignorant devant un phénomène qui lui échappe. Mais j'ai peur que l'image de synthèse soit la réduction en poudre et le remoulage d'une réalité. Et c'est une opération d'orgueil. Oui, de demi-urge, oui. Oh, certainement. Et ça me fait très peur. Enfin, d'autres, comme Jean-Claude Carrière, pourraient expliquer combien ça peut être un nouveau domaine de la connaissance des hommes. Mais entre connaissance et amour, il y a vraiment une différence énorme. Il y avait un personnage, je ne me rappelle plus quel était ce comédien, qui expliquait la beauté d'une fleur. Il arrivait avec une fleur en main, il commençait à la discuter dans tous les sens. Il expliquait tout le fonctionnement de la fleur. Et à la fin, il lui restait une tige et plus rien. Et voilà, il aimait la fleur, parce qu'il la connaissait. Il ne restait plus rien, je préfère infiniment la dame qui fait les bouquets. J'ai la peur de la civilisation des ingénieurs. Je crois que ce que tu viens de dire est plein d'intérêt, parce qu'il permet à celui qui t'écoute de se rendre compte que tu es né, que tu es un photographe, mais avant tout un poète. Ça, on le savait depuis toujours. Il n'y a qu'à regarder les photographies de Robert Doisneau pour être sûr qu'on n'est pas dans le domaine du document, mais dans le domaine qui nous est cher, la poétique. Un exemple extrêmement simple, tu vas à un rendez-vous urgent, qui n'a pas grand intérêt, mais c'est urgent, c'est le gagne-pain. Tu passes à l'avenue Général Lemonnier, que vois-tu? Des ouvriers en train de dresser les statues de Mayol. Mmh. Qu'importe le rendez-vous, il peut attendre. Même si tu n'y vas pas, tu vas un peu te fâcher avec la maison d'édition. Mais bon, ça ne se refait pas deux fois. Mmh. On arrête la voiture en catastrophe, on descend, et les types tiennent la statue par les seins. C'est merveilleux. Oui. La femme, les seins de la femme ont été faits pour être pris en main. C'est vrai. Et là, il a, même en bronze, il ne le fait pas. Là, tu fais la photo. Donc je n'interviens que en choisissant les moments où c'est le plus signifiant, comme on dit maintenant. Ça, c'est une façon de faire les photos. Tu as un portrait à faire de Tati pour présenter Jour de fête. Tati joue un rôle d'un facteur, facteur avec un vélo, et dans ta petite tête, tu te dis, mais il faut faire une pleine base de magazine, que vais-je demander à Tati? Je vais lui demander de venir avec son vélo. Ce vélo, je vais le faire démonter, mais démonter jusqu'à démonter les billes des roulements. Donc, photo complètement composée, complètement artificielle, qui n'est comique que dans la conception qui est celle d'un dessin humoristique. Tu arrives chez Picasso, il est à table, il y a des petits pains dans une corbeille, tu poses deux petits pains le long de ses bras et tu fais une photo. Là, c'est une intervention complète. Ce n'est pas une photo faite d'un moment découvert, c'est provoqué. Maintenant, tu es dans la rue, tu marches, il y a une femme qui passe. C'est une expression ravissante. Tu as le culot de lui demander, pardon madame, voilà, je suis photographe, je fais un truc sur la beauté des femmes dans Paris, est-ce que vous voulez repasser? Elle repasse. Et tu n'as jamais l'expression pure
de celle qui a enchanté ton œil. Mmh. Et là, je pense au marié de l'hôtel de ville. Cette fameuse photo. Alors, fiancés, aux amoureux. Aux amoureux de l'hôtel de ville. J'ai refait des photos d'amoureux. Jamais j'ai trouvé la spontanéité du geste. Oui. Et alors, ce qui me paraît extraordinaire, mais là nous débordons un peu, c'est de penser que beaucoup se sont reconnus. Hein. Tu m'as dit que beaucoup de gens t'avaient dit, mais nous sommes les amoureux de l'hôtel de ville. Mais c'est marrant parce qu'il y a des photos qui ont une espèce de magie avec elles. Les amoureux de l'hôtel de ville, c'est époustouflant. J'ai reçu 15 lettres de témoignages de gens qui me disent. Voilà, vous nous avez photographié, hein, j'aimerais avoir une photo. Alors j'envoie la photo aux gens. Je ne détrompe pas. D'ailleurs, je suis incapable de savoir lequel a raison. Et l'histoire de cette photo est tellement extraordinaire que Miquero a vu cette photo, on a parlé longtemps ensemble, et il m'a dit je voudrais faire un film à partir de cette photo. J'avais photographié en 1945-46, au moment où j'ai le bouquin avec 47, au moment où j'ai le bouquin avec Sandra. De jeunes gens dans une chandelle devant des HLM à Gentilly. Oui. Cette photo a été publiée et lundi dernier, coup de téléphone d'une dame qui me dit, je savais son nom, mais oui. Je vais parler, Josette. Oui. Danse pour les 20 ans de Josette. Enfin, qui chandelle pour les 20 ans de Josette. Cette Josette me téléphone, elle me dit, voilà, je suis professeur de dessin en banlieue, assez loin, vers Flins, quelque part par là. Oui. J'aimerais vous voir, je suis devenu professeur de dessin. Je vais être à la retraite, tu vois qu'on le temps passe, et j'aimerais vous revoir et que nous parlions de cette photo et vous montrer les travaux de mes élèves. Ça, c'est la plus belle récompense que je puisse avoir. J'ai eu deux, trois gens grincheux qui n'étaient pas contents. C'est complètement oublié. Je ne garde des souvenirs que les souvenirs heureux. Les emmerdeurs qui ont été méprisants, je les oublie. J'ai raison. Sauf ceux qui ont été trop pittoresques et rigolos, oui. Mais ceux-là, je les oublie. Les rebuffades, on les oublie. Ce qui est merveilleux, c'est de voir encore une dernière histoire, si tu veux. Oui. Et c'est fini. À 44, à la libération, la veille de la libération de Paris, oui. Je reviens en bicyclette de Paris. À l'emplacement des fortifications, je tombe sur des gosses en train de jouer dans une voiture qui avait été brûlée. Il ne restait plus qu'une carrosserie, une carcasse. Il y avait un petit garçon qui était au volant, une petite fille qui était derrière, un tout petit gamin avec elle, un sur le capot et un sur le toit. Cette photo est publiée dans un bouquin, pour une nouvelle, le temps passe, jusqu'à 1944, dis donc, Cette photo est publiée en carte postale, diffusion beaucoup plus populaire de l'image. Un matin, ça sonne ici. Un bonhomme très sympa, en bleu de travail, arrive, il vient, il me dit, Duano, c'est vous, oui. Il me dit, voilà, en 44, j'étais avec des copains, je vais dans le classeur, je sors un 30-40 qui était tiré de cette photo. Je lui donne. Le type était content. On boit un café ensemble. C'était lui. Et je lui dis, mais qu'est-ce? Il me dit, oh, je vais la mettre dans l'atelier, cette photo. Il me dit, atelier de quoi? Je suis carrossier. On serait tenté de donner une définition de l'art de Robert Doisneau. Oui, on serait tenté. Mais comment le faire? Comment dire le personnage? Et une fois qu'on a cerné le personnage, il faut aller plus loin. Il faut préciser la manière dont il travaille et pourquoi il fait une photographie qui ne ressemble pas aux autres. Et c'est vrai. Moi, j'ai dit que ça tenait à son regard. C'est-à-dire qu'il a sur le monde une vision qui n'est pas la nôtre, et qui est plus sélective, plus aiguë, plus intuitive. Il va au fond du sujet, si vous voulez. Mais ça serait peut-être alors à ce moment-là une information amplifiée. Ce serait quelque chose, comme on dit maintenant, de plus. Non. Ce n'est pas en quantité qu'intervient l'art de Doisneau, c'est en qualité. Eh bien, je définirais cela d'une façon très simple, en disant que c'est la poésie. La poésie. Qu'est-ce que c'est que la poésie? Eh bien, disons-le, c'est le langage humain qui est rendu
subitement universel. C'est-à-dire un langage d'un homme, comme disait Paul Klee, qui voit et qui fait voir, c'est évident, et qui trouve l'universalité des consciences, des regards, et peut-être, et cela ferait plaisir à Robert Doisneau, la sympathie. Et il le dit très simplement, très humblement, comme tous les hommes grands, c'est pas dit les grands hommes, mais tous les hommes grands, tous les hommes qui comptent, ce sont ceux qui travaillent pour les autres. Car, voyez-vous, qu'est-ce qui fait le prix de la vie? C'est d'aimer et c'est de donner vraiment aux autres le sentiment qu'on les aime.